Alors, ce qui est intriguant dans la méchanceté, et c'est moi ce qui m'a beaucoup intrigué en tant que biologiste, c'est que la méchanceté est quelque chose de gratuit. C'est-à-dire qu'une méchanceté, une vraie méchanceté, ne sert à rien. C'est quelque chose de parfaitement gratuit. Or, un mécanisme gratuit en biologie, c'est très contre-biologique. Le biologiste, enfin l'animal, n'est jamais dans le gaspillage de son énergie. Il produit de l'énergie à grand coût. Le coût, en l'occurrence, c'est pour l'animal d'aller chasser. Il faut chasser, il faut faire preuve de ruse, attraper une proie, si on veut survivre le jour d'après. Il n'y a donc absolument pas de temps pour des choses gratuites. Donc il n'y a pas d'énergie à gaspiller. Et très curieusement, ce qui m'a intrigué, c'est que, puisque je travaille sur l'énergie, ce qui m'a intrigué, c'est que les comportements de l'homme, eux, ne s'occupent absolument pas de la moindre économie, de quelque sorte que ce soit. On s'occupe de l'économie quand on est vraiment rendu au taquet. Mais on n'a pas de prévision particulière vis-à-vis de notre économie de gestes, de mouvements. Et donc, du coup, on peut être méchant, puisque c'est un acte gratuit par essence. Alors évidemment, tout n'est pas méchanceté, il y a des actes qui sont réflexifs, c'est-à-dire que vous avez une agression, vous vous défendez, ça c'est pas de la méchanceté. Pour moi, c'est autre chose, c'est du domaine de l'espérance de vie, c'est du domaine d'essayer de se maintenir à flot, quoi qu'il arrive. Autrement dit, il y a plein de petites luttes que nous accomplissons chaque jour pour essayer de se maintenir dans une perspective optimale de survie. Mais à l'inverse, puisque nous avons une multitude de petits besoins, par exemple, avoir suffisamment de blé pour avoir suffisamment de vitamine D, avoir suffisamment de cholestérol, avoir suffisamment d'un certain nombre d'espèces chimiques qui nous sont indispensables, de l'eau, du coup, il y a tout un tas de gens qui font commerce de ses besoins fondamentaux. C'est-à-dire que si tu veux de l'eau pour vivre, ben, va falloir la payer, sinon tu meurs. Bon, donc évidemment, pour lutter face à ce chantage, il faut bien réagir, et donc on a un système qui s'organise, qui est déjà construit là, autour d'une certaine méchanceté. On pourrait admettre que, puisqu'on est constitué à 60% d'eau, l'eau soit une sorte de bien commun, dont chacun puisse disposer à loisir. Ce n'est pas le cas. Autrement dit, il y a plein de petites méchancetés parce qu'il y a plein d'angles sous lesquels on se retrouve en position de faiblesse. Là, on rentre déjà dans une définition de la méchanceté qui est la création des rapports de force. Alors, vous verrez que ma démarche est très jungienne dans l'analyse. La conséquence de ça, c'est qu'il n'est pas facile de définir la méchanceté de façon univoque. Alors, le petit Larousse, lui, s'en tire remarquablement, il dit « méchanceté, deux points, penchant à faire le mal ». Ce qui, évidemment, c'est un petit Larousse, ce qui explique que la définition soit restreinte. Alors, l'étymologie. Le mot « méchant » vient de méchoir, qui est un mot qui date du XIIe siècle et qui est formé de deux, chéoir, qui veut dire tomber, qui a donné choir, et puis mes, qui est une particule qui veut dire par hasard. C'est plutôt négatif. C'est donc méchant, c'est plutôt une sorte de point de vue de la victime. C'est quelque chose qui vous tombe dessus par hasard, sans l'avoir vu venir. C'est un petit peu ça le sens étymologique de la méchanceté et de méchant. Et alors, curieusement, on ne parle plus de méchanceté, on ne parle plus que de choses extraordinaires. Le moindre acte devient un acte de cruauté, alors que cruor, ça veut dire c'est la chair, mais la chair avec une connotation sanglante. C'est la chair exposée, il y a la peau livre, le rouge du sang, du cru, hein, crux,
cruor, crudelis, ça c'est la même origine. Barbare, à un moment donné, il y avait même un gang des barbares, ce qui est assez extraordinaire, parce que les barbares, ça veut dire étranger. C'est l'étranger des Latins et des Grecs. Autrement dit, ce gang des barbares est une sorte de gang d'étrangers au sein d'un monde étranger, puisque, à part moi, tout m'est étranger, et tout le monde m'est étranger. Donc, ce mot est déjà en lui-même assez bizarre. Alors, on pourrait rajouter la haine, qui vient également du franc, Adjen, qui a donné Hassan en allemand et hate en anglais, qui suggère le ressentiment. C'est réactionnel. Alors, pourquoi la méchanceté n'est pas réactionnelle ? Parce que ça suppose que lorsque vous supprimez l'objet de la méchanceté, vous supprimeriez aussi la méchanceté. Quand vous haïssez quelqu'un, ça arrive. Le jour où ce quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, disparaît, la haine n'a plus d'objet. C'est une grosse différence avec la méchanceté, parce que la méchanceté, on le verra, elle a tendance à se répéter. Elle se répète et elle s'amplifie. Elle commence petit, et puis elle croît et enlaidit. On a du mal à l'imaginer, mais Hitler, par exemple, a certainement été à un temps un bébé rose, quoique avec probablement une moustache, qui suçait ses pieds et qui embêtait ses parents, probablement, avec beaucoup d'opiniâtreté. Mais il n'empêche, bon, c'est difficile à imaginer, mais pourtant, il a commencé probablement petit, il n'est pas directement à l'âge de 12 ans passé au camp de concentration. Il a eu une sorte de gradation dans la démarche. Et je prends Hitler, j'aurais pu prendre n'importe quel méchant, la méchanceté fonctionne toujours comme ça. C'est un de ses ressorts. C'est une progressivité dans la méchanceté. L'outrage ne vient pas d'outro, ça vient de outrer, c'est-à-dire percer une outre de part en part. C'est-à-dire qu'on perce. Donc, quand outrer provoque un outrage, c'est donner un coup de lance dans le ventre de quelqu'un. Ce qui est très ennuyeux, parce que vous avez vu hier à quel point le ventre était important. Égorger, naturellement, ça vient de l'onomatopée gorg, qui est un bruit de gorge, donc c'est une onomatopée. Il y a des langues où les mots sont issus des onomatopées. Et puis, évidemment, gorg a donné gorge, gosier, égosillé, et naturellement, égorgé. Il y a un tas de mots qui sont d'origine imprécise, assassin, assassin, massacre. Blessure est intéressant parce que blessure vient du mot blé, c'est-à-dire c'est un fruit qui commence à prendre une sale couleur. Et donc, devenir blé, ça a donné blessure. Évidemment, il y a des mots qui sont beaucoup plus récents, comme génocide, ça ne pouvait pas exister avant qu'il y ait le gène. Et puis, fusiller, pareil, tant qu'il n'y avait pas de fusil, on ne pouvait pas fusiller. Donc une étymologie très riche, mais curieusement, le mot qui est le moins employé, finalement, c'est le mot d'origine, c'est la cause. Autrement dit, on ne se pose pas la question du pourquoi. Et en parallèle, un certain nombre de mots sont employés à contre-emploi. J'ai entendu dire tout récemment que par une jeune femme, enfin que c'était la mode, quand une jeune femme passait devant une pâtisserie, de parler d'une tuerie. Hein? Ce qui est assez étrange, quand même très loin du sens premier. Et d'ailleurs, on pourrait même imaginer que passer devant une pâtisserie serait plutôt un plaisir, à condition de pouvoir y rentrer. Ça dépend de la pâtisserie. Autrement dit, toutes les petites méchancetés paraissent gommées. Alors pourquoi est-ce que les petites méchancetés paraissent gommées au profit des grands massacres ? C'est tout simplement, je crois, parce qu'elles nous mettent extrêmement mal à l'aise. Parce que tout simplement, qui peut vraiment dire qu'il est indemne de toute méchanceté à 100% de son temps ? Et depuis sa plus tendre enfance, c'est-à-dire depuis le moment zéro. Je crois que la méchanceté va pouvoir être cernée à partir d'un certain nombre de critères. Il va être impossible de la définir en tant que telle,
parce que la gamme possible est énorme, et que, mais par contre, il lui est intéressant de considérer ses ressorts et de définir un ensemble de critères. Et ensuite, je vous proposerai des étiologies à cette méchanceté. Voilà. Donc j'ai eu un parti pris de dire la méchanceté chez l'homme en général, mais qu'elle est tellement ubiquitaire qu'elle est dérangeante. Comme elle est dérangeante, ben on la met sous le tapis pour ne fréquenter que les méchants avérés qui font effectivement la une des journaux et d'ailleurs sans enthousiasme. Il est donc difficile de cerner la méchanceté. Malgré tout, elle a une écologie. On ne peut pas définir une méchanceté avant qu'elle se soit produite. Et naturellement, elle ne concerne que les vivants. La nature, en tant que telle, n'a pas de sens, du moins affiché, du moins pour moi. Autrement dit, elle n'a pas non plus de sens bon ou méchant. Elle est. Ce qui va orienter une méchanceté, un acte vers une connotation méchante, ça va être une prise de décision. Autrement dit, ça nécessite un choix fait par un vivant. Ce choix, c'est celui de faire, entre deux solutions face à un problème, le choix de la méchanceté ou un choix moins méchant. Donc, à partir du moment où on se place dans cette posture-là, la bonté disparaît quasiment de facto, car la bonté absolue consisterait à admettre un altruisme total pendant l'acte, ce qui, au fond, ne se produit jamais, puisqu'il y a toujours des raisons précises à faire l'acte bon, et donc polluer l'acte bon par, et son altruisme qui serait absolu, par un petit peu de calcul. Autrement dit, je pense qu'il n'y a pas de bonté. Et il n'y a donc que des niveaux, des gradations dans la méchanceté. Alors en même temps, tout le monde n'est pas méchant au même niveau. Hein. Il y a une grosse différence entre la petite méchanceté de l'enfant qui arrache la patte de la sauterelle, sauf du point de vue de la sauterelle, et puis celui qui va écarteler son voisin. Hein, c'est pas pareil. Enfin, ce qui différencie surtout, c'est la nature du voisin. Hein, quand on y réfléchit un petit peu, on se rend bien compte que là, la méchanceté, elle réside essentiellement à la nature de la victime. Alors, évidemment, les victimes peuvent prendre différents formats, et ce sont les victimes qui, d'une certaine manière, vont définir la méchanceté. Donc une écologie de la méchanceté qui suppose tout d'abord, le premier élément, c'est qu'il y ait deux partenaires au méchant. Le méchant a besoin de deux partenaires. Il a besoin d'une victime, et on verra que la victime ne peut pas être n'importe qui, et il a besoin de spectateurs. Parce que, on va commencer par le spectateur, on y reviendra après, parce que le spectateur, il n'est pas anodin dans cette affaire. Un méchant qui exerce sa méchanceté, si ça ne se sait pas, ça reste très confidentiel. Et donc, ce n'est qu'une méchanceté avortée, d'une certaine manière. Une vraie méchanceté, c'est une méchanceté avérée. Constatable, mais pas au point, pour autant, de faire réagir le spectateur en lui disant « Stop, c'est méchant, je m'en vais. » Parce que là, du coup, ou pire, je vous mets en prison. Là, c'est la fin de tout. Donc, le spectateur est une partie intrinsèque du spectacle qui est joué lors de la comédie humaine et de la méchante comédie humaine. Le deuxième partenaire, sur lequel on va insister au premier rang tout de suite,
c'est la victime. Évidemment, un méchant sans victime, ça ressemble à rien. C'est un méchant putatif. C'est un méchant frustré qui, le soir, se dit « Demain matin, c'est décidé, je trouve une victime et je deviens méchant. » Et puis qui, finalement, n'y arrive pas. Donc il vient encore plus frustré et finit par disparaître de sa frustration, mangé de l'intérieur. Il finit par être méchant contre lui. Ce qui est plutôt une bonne chose. Autrement dit, le méchant ne peut faire la démonstration de sa méchanceté qu'à partir du moment où il a sa victime. La victime est indispensable. Pas de victime, pas de méchant. Et pas de public, et il n'y a pas non plus de méchanceté. La méchanceté implique également le public. Autrement dit, il faut obligatoirement un vivant pensant, et même plusieurs vivants, capables de comprendre. La forme de l'autre est donc tout à fait critique. Un méchant qui s'attaquerait immédiatement à un grand effort beaucoup plus que lui, naturellement, ça tournerait très vite vinaigre, la méchanceté, et donc ça s'arrêterait court. Très rapidement, la méchanceté s'interromprait, et donc on voit bien la notion de rapport de force qui pointe son nez là derrière. Et dans la relation entre les humains, les rapports de force, en fait, sont ce qui nous organise. En même temps, il faut que la victime soit suffisamment résistante. Une victime qui fait un infarctus du myocarde à la première menace est une très mauvaise victime. Il faut recommencer tout à zéro. Il faut commencer par réfléchir, préméditer, malaxer l'idée, chercher la victime. Enfin, c'est toute une affaire. Alors qu'une victime à minimum résistante est tout à fait satisfaisante. Parce que la victime résistante, vous allez pouvoir la faire souffrir. Souffrir, ça veut dire qu'on fait mal. Mais on fait mal dans le temps. C'est pareil, quand vous allez chez le dentiste, vous avez une rage de dents, vous savez que ça va se terminer, et qu'à la limite, vous pouvez toujours vous en aller, difficilement, quelquefois, mais enfin, vous pouvez vous en aller. Il vous reste un choix. La souffrance est très différente. La souffrance, ça commence, mais vous ne savez pas quand ça s'arrête. En tous les cas, vous n'avez pas la main. Ce n'est pas vous qui pouvez dire, ça y est, c'est décidé, j'arrête de souffrir. Ça, ça ne marche pas, ça. Enfin, ça peut marcher, mais le remède est pire que le mal. Donc, c'est très difficile. La souffrance s'inscrit comme outil du méchant et un outil qui perdure. Autrement dit, il faut une victime à la fois qui souffre suffisamment longtemps et en même temps qui se résigne pas trop vite. Et puis autant que possible, il faut que ce soit une victime qui se rebiffe pas. Parce qu'évidemment, une victime qui comprend au bout d'un moment qu'elle est victime et qui a les moyens de sa politique, évidemment, c'est très, très désagréable pour le méchant à très court terme. Autrement dit, la forme de la victime n'est pas du tout quelque chose d'anodin. Et puis, il y a toujours le spectateur. Le spectateur doit percevoir le méchant, percevoir la méchanceté, et en même temps, le spectateur ne doit pas interrompre le processus. Or, nous vivons dans ces sociétés qui ont quand même expérimenté des nombres considérables de méchanceté sur de grandes périodes de temps et qui, de manière réactionnelle, ont institué des règles permettant ou limitant la récidive de ces méchancetés. Autrement dit, lorsque le méchant a décidé d'être méchant, il doit choisir une victime compatissante et un format de méchanceté compatible avec l'environnement, tolérable par le spectateur. Autrement dit, il y a un jeu qui s'organise entre plusieurs personnes. Donc là, la méchanceté ne peut être qu'un acte social raisonné entre vivants, donc. Et on a placé la raison de l'homme au sommet de la pyramide évolutionniste, et donc, naturellement, pas d'extraordinaire que ce soit lui qui soit le meilleur en matière de méchanceté. Il faut également impérativement, pour qu'une méchanceté soit faisable, qu'il y ait un rapport de force. Alors le rapport de force, il est très intéressant parce que il y a plusieurs moyens d'exercer la force.
Le premier moyen, c'est la force physique. Je suis plus costaud que la sauterelle, donc je peux lui enlever toutes les pattes que je veux. Enfin, il n'y a que 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas exactement combien il y a de pattes à une sauterelle, mais enfin, on peut les enlever en nombre limité. Et manifestement, le rapport de force joue en faveur de l'humain et peu en faveur de la sauterelle. Elle peut sauter, mais avec une seule patte, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis, il y a bien la sommation des douleurs. Dans le temps, on enlève une patte, puis après on va enlever la deuxième. Puis quand celle-là, elle sera morte, on va en prendre une autre. Il y en a plein, donc c'est facile. Et le rapport de force est toujours le même. Mais il n'y a pas que la force brute que j'exerce sur la sauterelle. Il y a d'autres types de forces. Il y a le charisme qui fait que, de façon extraordinaire, vous allez à des spectacles, écouter des gens. Alors, ils ne sont pas méchants, mais ils font des chansons, des choses, et alors... Tout le monde applaudit et paye même pour aller les écouter, alors c'est extraordinaire, c'est un comportement social normal qui n'est pas méchant en soi, sauf si le discours et le charisme sont transposés dans le sens de la méchanceté. J'ai été extrêmement surpris, je suis très, très surpris d'écouter les discours des grands dictateurs que nous possédons que depuis peu de temps, puisque avant il n'y avait pas d'audio ni de vidéo, donc c'était très difficile de pouvoir s'imaginer le charisme des individus, mais... Il est très intriguant de voir des grands dictateurs exercer une séduction, alors que tout dans leur comportement, avec le décalage du temps, nous pousse à les considérer comme étant parfaitement ridicules. Quand vous écoutez un discours de Mussolini, c'est à se rouler par terre. Vous présentez ça aux enfants d'aujourd'hui, ils se demandent comment diable ce type a pu faire quoi que ce soit. C'est hors du sens. Donc il y a une espèce de charisme, une espèce de séduction qui joue et qui est un outil de méchanceté, probablement, de séduction, de conviction. Et c'est également ce qu'on trouve peut-être sur Internet, lorsque, avec 3 textos, on arrive finalement à séduire quelqu'un. C'est extraordinaire. Et un texto, c'est quasiment des onomatopées. Et malgré ça, elles sont organisées de telle façon que la personne vous répond, alors que son message est quasi incompréhensible. Et que par-dessus le marché, vous allez décider d'aller rencontrer un inconnu comme ça. Voilà. Donc cette tentation du mot, cette tentation d'une sorte de culbute, du point de vue de la victime, est assez étrange. Donc il faut bien qu'il y ait un partenaire qui exerce soit un rapport de force, soit un charisme, qui ait un charisme particulier. Le troisième élément, évidemment, du rapport de force, c'est l'argent. Alors, on a dissocié, mais ça, c'est une conséquence à la fois biologique et une conséquence sociale. La conséquence biologique est de deux ordres. Les sociétés sont organisées autour de deux contraintes. D'abord, une spécialisation des activités. La femme a la grossesse et accouche, l'homme fait la chasse. C'est la première spécialisation des activités. Donc il y a, d'une certaine manière, rémunération en nourriture de la femme qui fait persister l'espèce. Donc c'est la première spécialisation. Et donc on voit l'apparition de l'argent à ce niveau-là. Pas l'argent, l'argent. Mais enfin, une sorte de rémunération, une sorte d'échange. La reproduction sexuée est une forme d'échange, implique une forme d'échange, faute de quoi il n'y aurait pas de reproduction sexuée du tout. Donc il y a déjà un niveau extrêmement primitif. Puis le deuxième niveau primitif, c'est que les hommes, très vite, de tout temps, les hommes depuis qu'ils sont hommes, comme un certain nombre de leurs cousins primates, évolués, du même taxon, sont capables de voir le jaune. Or le jaune, c'est la couleur de l'or. Et l'or, c'est le seul métal coloré qui existe à l'état natif, qui soit inaltérable et qui soit directement visible sans qu'on ait besoin de creuser. L'or, vous le voyez dans un ruisseau, tout simplement parce qu'il a émergé des profondeurs de la Terre en même temps que les veines de quartz, et donc il s'est retrouvé dilué et précipité dans les ruisseaux. Et quand vous avez cherché de l'eau, eh ben, vous avez vu de temps en temps ce truc qui brillait jaune au soleil,
et qui a pris instantanément de la valeur, tout simplement parce qu'on était capable de le voir. Évidemment, l'animal qui ne voit pas le jaune en a strictement rien à fiche de l'or. Il pourrait voir du zinc ou n'importe quel autre matériau, ça lui ferait le même effet. Nous, ça ne nous fait pas du tout le même effet. Autrement dit, un certain nombre de choses ont pris de la valeur et donc sont devenues outils possibles de corruption ou de pression parce qu'il y a un substratum naturel à ça. C'est parce que je vois l'or que l'or a de la valeur, et parce que je veux de l'or pour pouvoir acheter quelque chose puisque ça a de la valeur, et donc moins courir de risques pour l'avenir en ayant plus, donc je cours moins de risques d'avoir moins. Donc à partir de ce moment-là, une société d'échange peut naturellement s'instaurer dans la vie de tous les jours. De la même façon, on pourrait dire que, pour clore ce chapitre de l'argent qui va de soi, mais qui en même temps prend des proportions tout à fait considérables, je vous encourage vivement à relire Jack London, non pas les textes, les grands textes, mais les articles de journaux, les recueils d'articles sur la ruée vers l'or en Alaska, c'est-à-dire la seconde ruée vers l'or. C'est absolument extraordinaire. Il y a des gens qui préfèrent mourir sur leur cheval avec leur or que continuer à 10 km pour pouvoir manger. Mais évidemment, n'ayant plus la force de traîner leur or. Autrement dit, pour un métal dont on ne peut strictement rien faire, sinon de l'échanger, on est capable de perdre sa vie. Autrement dit, on est capable de perdre toute espèce de repère pour quelque chose qui, en définitive, au sens biologique du terme, n'a strictement aucune valeur. C'est un comportement tout à fait extraordinaire et profondément antibiologique. Vous ne verrez aucun animal risquer sa vie pour avoir quelque chose qui ne lui sert à rien dans son économie de vivant. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais qui n'est possible que parce qu'il y a une certaine cupidité. C'est parce qu'il y a des pauvres que les pauvres veulent être plus riches. Si tout le monde était riche, à quoi servir à un banquier s'il n'y avait que des riches ? Le banquier ne vit que parce qu'il y a des pauvres. Et donc la crise de la dette en question, c'est une vaste blague, parce que, évidemment, il y a une crise de la dette simplement parce qu'il y a des pauvres. Donc la pauvreté est entretenue, parce que sinon les banquiers feraient faillite. C'était évident que c'est comme ça que ça fonctionne, et ça a fonctionné comme ça depuis toujours. Donc l'argent, outil de pression, en plus de la force et en plus du charisme. Alors revenons à la victime. La victime doit avoir une certaine qualité à être victime. Tuer les sauterelles, c'est bien, mais enfin, c'est pas spectaculaire du tout. C'est trop commun. Il vaut mieux prendre des victimes plus reconnues en tant que victimes, c'est-à-dire qui nous ressemblent plus. En même temps, il faut que la victime ait une certaine pureté. Parce que si c'est éliminer de la surface de la Terre le plus grand criminel possible, évidemment, tout le monde va applaudir, et puis ça ne va être qu'un seul criminel, enfin, vous direz, il y en a d'autres, on finit toujours par en trouver. Donc, mais ça va être qu'une méchanceté qui va durer un instant, certes, le méchant va être décoré, on va mettre une petite médaille, et puis il va falloir qu'il parte à la chasse à un autre méchant. Donc il vaut mieux une victime qui soit reproductible, éventuellement, le jour où elle finit par passer de vie à trépas, où elle se lasse d'être victime. Et donc, et en même temps, il faut un certain degré de pureté, parce qu'il faut que la méchanceté ait un sens. Si c'est rendre service, c'est l'inverse d'une méchanceté. Donc, évidemment, les enfants sont les premiers destinataires de la méchanceté, parce qu'ils sont ils sont plus faibles. Ils sont purs, ils sont plus éloignés encore du péché originel que les adultes. Donc, et la conséquence de cette méchanceté à bon marché vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis du faible, c'est 300 000 enfants soldats dans le monde, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire que les adultes se mettent à quand même un certain nombre pour entraîner 300 000 enfants sur la voie de la mort. Et puis c'est rien par rapport au travail.
travail, 220 millions d'enfants de moins de 14 ans qui sont au travail. Alors bien sûr, on peut dire qu'il y a des effets culturels, mais enfin quand même, bon. Alors la victime idéale, elle doit être pure. Mais en même temps, elle ne doit pas être trop pure. Elle ne doit pas être le symbole de pureté du reste de la population. Parce que sinon, le reste de la population se rebiffe. Il dit, vous avez tué mon symbole de pureté, vous vous prenez pour qui? Alors l'exemple typique, aux alentours de Pâques, vous vous dites, tiens, je vais aller cours des 50 otages et je vais égorger un agneau. Alors ça va être très mal vu. Vous faites ça, là, ça va être très très mal perçu. Par contre, si vous vous mettez en groupe, aux alentours de Pâques, même le jour précis de Pâques, là, vous allez pouvoir égorger des agneaux en pagaille, et ça dure depuis des millénaires. Pourquoi est-ce qu'on exerce autant de méchanceté gratuite à l'encontre de l'agneau? Parce que l'agneau, contrairement à son nom zoologique, l'agneau est un bouc émissaire. Alors, je vous encourage à lire un livre qui a été écrit par René Girard et qui s'appelle justement « Le bouc émissaire ». René Girard explique que le bouc émissaire, ou la bouc émissiarité, c'est un ressort fondamental de l'homme, précisément pour pouvoir continuer à accomplir toutes ces petites turpitudes, toutes ces petites méchancetés, qui ne sont rien par rapport à cette immense turpitude collective qui consiste à se mettre tous ensemble et donc à être complices du massacre des agneaux à date fixe, une fois par an, pour se purifier. Comme on a accompli collectivement l'acte le plus immonde possible qui consiste à tuer l'agneau d'une pureté absolue, il est faible, on ne peut pas se défendre, il est blanc, sauf les moutons noirs, mais eux, ils sont dangereux, peuvent se rebeller, donc on va s'attaquer uniquement aux blancs. Et puis, en plus, pour ne pas se salir, on va épargner, lors de l'égorgement de l'agneau, on va épargner les éclaboussures de sang qui feraient vraiment mauvais genre sur le costume du dimanche. Donc, cette histoire de bouc émissaire m'a interpellé parce que c'est probablement la manière qu'ont trouvé les hommes de mettre une limite à la loi du talion. Bon, déjà, la loi du talion a une sorte d'impossibilité technique. Tuer une personne qui a tué quelqu'un, c'est une certaine cohérence, c'est une punition. Pendant longtemps, ça fonctionnait comme ça. Là où ça se gâte, c'est quand vous avez affaire à un massacreur. Vous ne pouvez pas le tuer plusieurs fois. Donc, le voudriez-vous que vous ne le pourriez pas? Il faut donc une certaine symbolisation de l'acte. Et la symbolisation de l'acte, elle est fournie, en partie, par le massacre de l'agneau, qui, d'une certaine manière, nous absout de nos actes méchants, mais en même temps, considère que, puisque de toute façon, le mal absolu n'est pas atteignable, eh bien, on va tuer un autre à la place, et la peine symbolique sera aussi signifiante que la peine que réclamerait la loi du talion. Alors ça a permis d'éviter l'extinction d'espèces humaines. Puisque de fil en aiguille, les vendettas se seraient développées et très clairement, il y aurait eu beaucoup plus de victimes que de causes. Donc cette bouc émissiarisation est très intéressante. Ça évite la culpabilité et d'une certaine manière, ça permet de vivre. Et puis ça évite également de ne pas se salir mais les origines sont très étranges. Alors, toutes les religions et même toutes les sociétés ont des équivalents de la bouc émissiarisation, ce qui leur permet de gommer en quelque sorte, de passer à la trappe en pertes et profits toutes les petites turpitudes. Tout vient d'Abraham.
Alors Abraham est un personnage extrêmement intéressant parce que c'est le patriarche des trois religions monothéistes. Alors cet Abraham-là, un beau jour, il entend des voix. Déjà, si je vous dis que j'entends des voix, vous allez me dire, ce mec, il est givré, je m'en vais. Bon. Mais comme c'est Abraham, les gens ne sont pas partis. Donc il entendait des voix. Et la voix, c'était Dieu qui lui disait, il va falloir, pour nettoyer tous les péchés de l'humanité, qui sont quand même un peu nombreux, il faut bien dire, même si j'ai l'œil compatissant quand même, enfin bref, il va falloir que tu tues ton fils. C'est-à-dire ce que tu as de pire, de plus précieux, qui est sans défense et qui est encore pur. Donc, Abraham commence à préméditer son crime, c'est-à-dire qu'il requiert deux esclaves pour l'aider à porter le petit matériel. Il fait venir l'âne, et puis le voilà parti avec son fils, à qui il ment quant au prétexte de la promenade. Il est possible que le fils n'aurait pas forcément satisfait au désir de son père, donc Abraham préfère ne rien lui dire. Donc c'est un gars qui reçoit des ordres d'ailleurs, qui prémédite un crime, qui ment, et qui envisage de tuer son fils. Alors un gars comme ça, vous voyez ça dans le journal, immédiatement après, vous allez le dénoncer au premier commissariat du coin, et il finit pas le week-end en liberté. Bon. Là, en fait, Abraham s'était rendu compte que comme il entendait des voix, il risquait simplement l'hôpital psychiatrique, et donc par conséquent, il pouvait se lancer à toutes les extrémités. Donc il prend son couteau, et puis au moment où il s'apprête à égorger Ismaël ou Isaac, eh bien, il entend du bruit dans le fourré. Avant, il a construit un autel, parce qu'il faut quand même que ça prenne un sens, cette méchanceté-là. Hein, il faut que ça... Bon, Landru lui fabriquait des fours, hein, donc lui fabrique un autel. Et puis il entend du bruit dans le fourré, et puis, pof, il y avait un bouc. Et alors là, il entend une nouvelle voix qui dit finalement, non, c'est pas la peine ton fils, on va plutôt tuer le bouc. Allez, hop. Et c'est comme ça qu'est née la notion d'agneau pascal et de bouc émissaire. Si on considère le nombre d'agneaux qui ont été exécutés depuis ce moment-là, pour ce seul prétexte, alors qu'ils n'ont jamais demandé à être exécutés de quoi que ce soit et qu'ils n'ont pas fait d'autres crimes que faire des crottes de temps à autre, eh bien, on se dit quand même qu'on a une bonne idée de la méchanceté des hommes qu'il faut absolument liquider à grand renfort d'agneau pascal. Donc vous voyez que les choses sont très anciennes. Ce sont des choses qui ont donné naissance à l'organisation sociale, qui l'ont permise d'une certaine manière, et qui ont abouti à la méchanceté de tous les jours. Alors la méchanceté se veut en même temps discrète. Le méchant est discret. Pour donner ordre de grandeur, Petiot a changé 90 fois d'identité. Et puis, on a bien vu au procès de Nuremberg que les prévenus étaient qu'à moitié fiers de leur coup et qu'ils avaient tendance un peu à minimiser les choses au point que le procureur a fini par plaindre ce pauvre monsieur Hitler qui était entouré d'une telle bande de bras cassés. Et donc, si vous relisez les attendus du tribunal de Nuremberg, vous verrez que je vous raconte pas d'histoire. La méchanceté, je veux discrète, parce que tout simplement, si vous vous lancez dans un truc qui est déjà connu et qui est prescrit par la loi, alors immédiatement, ça ne va pas du tout, la méchanceté s'arrête net. C'est la raison pour laquelle la violence est de moins en moins fréquente, la violence physique, dans les sociétés structurées, mais qu'elle est remplacée avantageusement par toutes sortes d'autres petites méchancetés lancinantes, qui, elles, sont beaucoup plus discrètes et par conséquent, par exemple, le harcèlement. Le harcèlement est une méchanceté. Moi, je connais des harceleurs qui ont eu longtemps pignon sur rue. Je m'occupe du fait qu'ils ne l'aient plus très longtemps. Et donc, qui ont fait en sorte que la discrétion soit de mise.
La discrétion des harceleurs n'est pas rien. Enfin, la discrétion des méchants n'est pas rien. Le docteur Petiot, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, a admis avoir tué 67 personnes, mais on a retrouvé des preuves que pour 23. Donc il a été condamné pour 23. Il a été jusqu'à organiser un pseudo-réseau de résistance qui avait pour objectif de faire passer les Juifs en zone libre. Évidemment, les Juifs ne passaient jamais en zone libre, ils s'arrêtaient dans le four du docteur Petiot. Ils faisaient même des tarifs de groupe quand les familles venaient entières. Et ce qui est extraordinaire, c'est que comme il avait organisé évidemment un réseau, donc vous voyez, c'est la dimension publicitaire révélée de l'affaire. Il faut que la publicité, enfin, il faut au minimum que ce soit un peu connu. À l'époque, la victime était dénoncée par tout le monde, puisque le fait d'être juif est évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale en zone d'occupation, était évidemment immédiatement toléré par la population. Donc la population, dans sa grande majorité, tolérait les choses et tout, considérait Petiot avec peut-être pas une certitude, mais enfin, au moins un doute. La Gestapo, en entendant parler de réseau, avait Louis Fine, et donc fait infiltrer le pseudo-réseau de Petiot par deux personnes qui sont toutes les deux incinérées. Donc la Gestapo a trouvé le moyen de perdre deux agents infiltrants. Et du coup, la Gestapo s'est dit « ça ne peut pas durer, ce Petiot est manifestement criminel, donc on va l'arrêter ». Donc la Gestapo a arrêté Petiot, il a été interrogé pendant 8 mois, il n'a jamais avoué. Et il a été libéré à la libération de Paris. Et il n'a été condamné qu'en 1946, et de façon... il était condamné à mort, évidemment. Enfin, évidemment. Il a été condamné à mort. Et alors qu'il incinérait ses victimes, figurez-vous que son bourreau s'appelait Desfourneaux. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Je rigole pas, c'est vrai. Vous pouvez vérifier. Donc la méchanceté se veut discrète. Mais en même temps, la méchanceté se révèle. Je l'ai dit tout à l'heure, une méchanceté qui ne se révélerait pas, c'est qu'une demi-méchanceté. Comment est-ce qu'on peut me dire que je suis méchant si personne ne le remarque? Je ne le crois pas, je ne me crois pas moi-même. Je le sais bien, moi, que je suis méchant, mais personne, si vous ne me le dites pas, si je ne le lis pas dans le journal, comment voulez-vous que je le sache? Donc il faut se dévoiler nécessairement. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'avenir à la méchanceté pour un individu donné. La méchanceté va crescendo, et à un moment donné, elle est incompatible avec la paix sociale, et donc par conséquent, il faut trouver des solutions radicales. À partir de tous ces éléments, on peut identifier des critères de la méchanceté. Parmi les critères, le premier, c'est la perte de repère totale de la souffrance de l'autre. C'est-à-dire que le méchant ne se rend plus compte du tout de ce qu'il ressentirait à lui s'il subissait la souffrance qu'il inflige à l'autre. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, on l'a déjà dit, la méchanceté est gratuite. Ça ne sert à rien, la méchanceté. C'est biologiquement idiot, ça ne fait pas progresser quoi que ce soit, sauf le code civil, ça ne sert à rien. Ça génère de la souffrance, c'est-à-dire de la douleur étalée dans le temps. Ça se conjugue à l'imparfait au sens où c'est jamais fini. Une fois que vous avez usé une victime, ben il en faut une autre, parce que sinon vous restez, ben qu'est-ce que je fais maintenant? Donc il faut passer à la suivante. Et au final, ça finit par se révéler, et les très grands méchants, les petits méchants passent à l'as, mais les très grands méchants, rarement passent à l'as. Cela dit, ils trouvent quelquefois des solutions alternatives tout à fait satisfaisantes. Guillaume III, par exemple, a terminé mort de vieillesse dans une prison dorée en Hollande, à Doorn. Voilà, donc... La fin est plus ou moins... souvent peu glorieuse, mais rarement dans la souffrance. La méchanceté est forcément inscrite dans la durée, parce qu'il faut préméditer, parce qu'il faut trouver la victime, parce que de préférence, il faut identifier comme victime plutôt un bouc émissaire.
Et puis, parce que ça va crescendo, qu'il faut recommencer. Alors maintenant, les causes de la méchanceté. Comment se fait-il que les humains soient de tels spécialistes en méchanceté? C'est même peut-être leur seule spécialité, d'ailleurs. Je crois que tout vient du parti pris contextuel dans lequel on se situe. On est parti traditionnellement de l'idée que l'homme était le sommet de la pyramide ou de l'arbre de l'évolution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux. Ça, je crois que c'est un postulat de principe qui résiste difficilement à l'analyse. Je crois au contraire, ça c'est une position cartésienne, si vous voulez. C'est-à-dire que je pense, donc je suis. Donc, étant fils de Dieu, je ne peux évidemment pas penser mal. Donc, par conséquent, ce que je suis, c'est forcément bien. Et donc, il y a une sorte de logique folle qui fait qu'au final, on ne voit plus les choses exactement comme elles se présentent. Je crois au contraire que nous sommes des animaux comme les autres. C'est-à-dire que nous vivons exclusivement pour nous reproduire. Et que lorsque nous avons fini de nous reproduire, que nous avons eu suffisamment d'énergie produite pour pouvoir nous reproduire, eh bien, nous occupons le temps comme nous pouvons, mais notre préoccupation première, c'est avant tout de produire de l'énergie. Ce n'est pas du tout de penser. On pense parce qu'on a un outil qui nous permet de réguler la production d'énergie, qui s'appelle le cerveau, mais à part ça, je dirais que ça ne sert pas énormément. D'un point de vue biologique, ça ne sert pas énormément. Et ce qui m'amène à penser comme ça, c'est que le pourquoi biologique de la méchanceté repose sur le fait que nous avons un format très particulier, presque accidentel. Nous sommes accidentels de deux points de vue. D'abord, nous sommes bipèdes. Alors, j'en ai souvent discuté avec l'ami Pascal Pic, avec lequel nous ne sommes pas tout à fait d'accord, mais comme nous sommes amis, plus qu'en désaccord, nous sourions de nos désaccords respectifs. Je crois qu'être bipède, c'est un handicap. C'est un handicap physiologique majeur, parce que quand on est bipède, le cœur travaille quatre fois plus que quand on est quadrupède, et que pour fournir la même pression sanguine dans le cerveau. Autrement dit, imaginez comme nous serions intelligents si nous étions quadrupèdes. Le cœur donnerait à fond toute son énergie, nous aurions des têtes comme ça. Bon, ça nous gênerait de temps en temps, mais voilà. En plus, nous sommes très handicapés sensoriellement. Nous voyons moins bien, nous entendons moins bien, nous sentons quasiment rien. Et de surcroît, nous n'avons pas de poils. Autrement dit, nous sommes très vulnérables, y compris aux intempéries. Autrement dit, on a beaucoup d'inconvénients. Ces inconvénients ont par ailleurs un autre défaut, c'est que puisqu'il faut une grosse pression sanguine pour alimenter le cerveau, c'est autant de moins qu'on a de disponible pour les muscles. Du coup, on a beaucoup moins de muscles que les autres. Ce qui est un énorme handicap, quand on se retrouve face à un prédateur, même un petit prédateur, qui veut vraiment vous bouffer. Dans le jeu de la proie et du prédateur, ce qui compte, c'est la vitesse initiale. Or, Pascal explique que nous avons pu conquérir le monde parce que nous marchons sur de longues distances, mais ça n'a aucun intérêt. Si vous êtes bouffé dès la première minute, à quoi sert de marcher une heure? Ça ne sert à rien. Autrement dit, nous sommes très défavorisés sur le plan physique et sur le plan physiologique. Je vous rappelle que le plus rapide d'entre nous, enfin pas d'entre nous ici, le plus rapide c'est Usain Bolt, mais Usain Bolt ne court qu'à 63 km/h sur 100 mètres, ce que je ne suis pas capable de faire, et peut-être vous, mais pas moi, c'est-à-dire la vitesse du dromadaire. Donc évidemment, quand vous dites Usain Bolt court à la vitesse du dromadaire, ce n'est pas glorieux. Hein ? Vous diriez, il court à la vitesse du lion flamboyant. Là, déjà, ça a tout de suite une autre allure. Courir à la vitesse du dromadaire, c'est bon,
pas formidable. Donc on ne court pas bien. Comme on est bipède, ben on ne monte pas dans les arbres. Quand on ne monte pas dans les arbres, on ne peut pas échapper à tous ces prédateurs qui n'ont qu'une seule envie, c'est de nous bouffer. Et en plus de ça, on a des femelles qui sont enceintes tout le temps. Nos ancêtres australopithèques commençaient à être nubiles à l'âge de 13 ans, si on regarde les animaux du même taxon aujourd'hui, et mouraient à 30 ans alors qu'elles pouvaient être fécondées jusqu'à 40. Donc on comprend bien qu'elles étaient enceintes tout le temps. Et donc, évidemment, c'était des proies remarquablement faciles. Et donc, ce que je crois, c'est que nous avons quitté l'Afrique, qui était verdoyante, pleine d'humidité, de gibier, de plantes variées. Nous avons quitté l'Afrique non pas par esprit d'aventure, mais tout simplement parce qu'on a été chassés à coups de croc. Et donc, nous avons couru le long des déserts, là où il y a le moins de prédateurs possible, du moins de grande taille, parce que pour avoir des prédateurs de grande taille, il faut de quoi les nourrir. Donc évidemment, dans les déserts, les prédateurs sont plus de petite taille, ce qui arrête d'en faire des prédateurs. Et on est allé s'installer pour créer la civilisation humaine dans un endroit qui se montre aujourd'hui comme étant le triomphe de la civilisation humaine, qui est la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est-à-dire Damas, Bagdad, tous ces coins-là, où a été inventée l'écriture et la pensée humaine, où ont été codifiées les premières lois, la stèle d'Amourabi, que je vous encourage à voir au Louvre, c'est sumérien. Et quand on voit le résultat obtenu par cette humanité triomphante en 12 000 ans, on se dit qu'il va falloir cravacher dur pour pouvoir s'arranger dans les années qui viennent. L'avantage concurrentiel que nous avons, c'est que je crois là aussi que c'est un avantage biologique, c'est une sorte d'épée à double tranchant. Et la cause de notre méchanceté, je crois là. Nous avons une capacité de résistance à l'oxydation qui est la meilleure de toutes les espèces vivantes. Du moins que j'ai pu tester. J'en ai testé au moins 40, plus de 40, presque 50. Et nous résistons à l'oxydation bien mieux que n'importe qui. La conséquence de ça, c'est qu'on peut manger des nouilles au beurre, du camembert, des épinards, il suffit de les accommoder et c'est tout à fait digestible. Ça veut dire, au sens biologique, que nous n'avons pas d'écosystème. Nous n'avons pas de niche écologique, ce qui veut dire que nous pouvons nous installer n'importe où. C'est-à-dire que partout est notre niche écologique. Ça, c'est un avantage, mais c'est aussi un sérieux inconvénient quand on est chassé de partout. C'est un avantage parce qu'on peut aller s'installer partout lorsqu'on est pourchassé. C'est un gros inconvénient parce qu'on peut être chassé également de partout. La conséquence de ça, c'est que les humains ont migré dans les déserts et que surtout, ils se sont coupés définitivement du règne animal en construisant des murs. Puisqu'ils sont vulnérables, puisqu'ils ne peuvent vivre que dans des endroits avec un peu d'eau, ils se contentent de conditions minimalistes, ils se sont coupés du reste des animaux. Et se coupant du reste des animaux, ils se sont retrouvés entre eux, c'est-à-dire dans une sorte d'écosystème où chacun avait les mêmes besoins et donc les mêmes nécessités. Mais comme l'humain s'est inséré dans des murs, la seule manière de sortir de cette équation infernale, quand vous êtes enfermé dans votre casbah avec des murs partout, un toit, une petite porte et des meurtrières, il est clair que ça ne favorise pas la communication. Et que si vous voulez avoir moins peur de demain, avoir moins peur de mourir par manque de ceci ou de cela, par exemple de blé, ou de femmes, pour se reproduire, eh bien, la seule solution, c'est d'aller les chercher chez le voisin, qui lui aussi a construit des murs. Autrement dit, la seule possibilité de l'humain pour prospérer, c'est la méchanceté. Je crois qu'il n'a pas d'autre solution. À partir du moment où il s'est isolé, il n'a pas d'autre solution, du fait de ses raisons biologiques,
de fonctionner. Et une personne l'a parfaitement bien compris, c'est Jung. Alors Jung est mort en 1962, c'est le disciple de Freud. Alors Freud il est devenu très célèbre parce que c'est le sexe. Alors ça fait vendre. Ça c'est très bien, ça c'est formidable. Ce qui fait vendre, c'est soit les histoires d'horreur, soit le sexe. Si c'est un peu les deux, comme dans l'histoire de Freud, c'est super. Ça rate jamais. Bon, moi qui le dis, c'est Onfray. Si c'est Onfray, c'est forcément bien. Donc dans les racines de la conscience, Jung énonce quatre archétypes qui expliquent, je crois, complètement la nature humaine. Je crois que enfin, la lecture de Jung, moi, je me suis dit, ce monsieur-là, il a tout posé, tout compris, tout. Il y a lui, et puis il y a un autre, c'est Hergé. Je vous encourage très vivement à vous replonger, une fois que vous serez sorti d'ici, dans Vol 714 pour Sydney, sur lequel je n'ai malheureusement aucun droit. Et il y a un moment, un dialogue entre les deux personnages emblématiques d'Hergé, qui sont une sorte de fil rouge de l'œuvre d'Hergé, qui sont Karédas et Rastapopoulos. Et le dialogue de ces deux personnages, en particulier celui, à un moment donné, Karédas dit « Le plus grand génie du mal, c'est moi, la preuve, c'est que je suis plus riche que vous. » Tout est dit. Et donc, Hergé, Georges Rémy, Hergé, a tout compris, parce qu'il avait un immense sens de l'observation, a tout compris de la nature humaine. Mais avant lui, Jung avait compris pas mal de choses aussi. Jung, c'est l'homme de la puissance en plus du sexe. Pour Jung, le sexe, c'est la manifestation de la force et de la puissance et du rapport de force. Et dans la méchanceté, la condition sine qua non, c'est le rapport de force. Mais il a compris que préalablement à l'action et au rapport de force, il existait des constructions primitives, archaïques, archétypiques, et il a énoncé quatre de ces constructions-là. Le premier, c'est l'archétype de la mère, qui a été, que l'on utilise en permanence, c'est-à-dire qu'il y a une naissance, un début à tout, non, à tout parce que à nous, mais par contre la fin est incertaine. Donc l'archétype de la mère. Donc on a tout le temps une origine, il suffit de chercher, on finit par la trouver. C'est également le Big Bang, c'est également un certain nombre de théories comme ça qui toutes portent à une quête formidable de l'origine. Et vous voyez bien à quel point vous êtes mal à l'aise si on vous dit, mais finalement il n'y a pas d'origine. S'il n'y a pas d'origine, là, vous êtes très mal à l'aise, parce qu'un truc sans origine, c'est impensable. C'est impensable parce que, archétypiquement parlant, nous sommes construits avec une origine. Le deuxième archétype de Jung, c'est ce qu'il appelle les visions de Zosim. Alors, Zosim était un alchimiste. Jung était passionné par l'alchimie en tant que construction intellectuelle préalable à l'esprit scientifique. C'est également à rapprocher de Bachelard. L'eau et les rêves. Dans l'archétype, dans la vision de Zosim, Zosim, c'est l'eau est le fluide universel dans lequel tout est dilué. Et tout se dilue. Nous sommes, nous-mêmes, constitués à 70% d'eau. 60% d'eau. Et donc, dans la vision de Zosim, c'est tout le rôle essentiel que l'on accorde à l'eau aux besoins formidables qui nous attirent vers l'eau, en particulier l'eau douce, accessoirement l'eau de mer, mais enfin surtout l'eau douce. En plus, l'eau s'oppose au feu, et le sang est liquide. Donc, et la pierre est ce qui reste de la combustion par le feu, une fois qu'on a évaporé l'eau et qu'on l'a éventuellement récupérée. Donc, dans la vision de Zosim, c'est vraiment le rôle formidable de l'eau,
Le troisième archétype de Jung, c'est la transsubstantiation de la messe, qui contient en elle-même tout le symbolisme. Évidemment, quand on mange un petit gâteau, on ne mange pas le corps du Christ. Mais de la même façon, quand on tue l'agneau pascal, on ne liquide pas non plus les petites méchancetés. Et c'est ça qui est l'élément, je crois, caractéristique de l'humain, c'est cette conscience formidable qu'il a, cette capacité extraordinaire qu'il a à symboliser. Un exemple d'excès de symbolisme. Si je vous présente trois petits morceaux, un petit mouchoir bleu, un petit mouchoir blanc, un petit mouchoir rouge, vous n'avez absolument aucune envie de vous faire massacrer pour ces trois petits morceaux de couleur. Une fois que vous avez raccommodé, ça vous fait un drapeau, et là vous dites, c'est mon pays qui est attaqué. Extraordinaire. Il n'y a que les humains à faire une chose pareille. Cette capacité symbolique est une capacité extraordinaire et première, et je crois fondamentalement humaine. Je crois que ce qui différencie l'homme, c'est cette capacité à symboliser, de façon d'ailleurs un peu bizarre, souvent. Ensuite, le quatrième archétype de Jung, c'est toute la symbolique de l'arbre philosophique, c'est-à-dire la terre-mère, les racines, l'eau qui vient de la terre-mère et qui nourrit l'arbre, et puis qui tend vers le ciel des dieux. Et puis, entre deux, les grottes. Alors, comme je ne m'interdis rien, je rajouterai un cinquième archétype à l'œuvre de Jung, qui est la notion de toit, d'abri ou de couverture. Les mammifères, en particulier les mammifères sans poils, ont un besoin critique d'une couverture, d'un toit et de murs pour s'isoler du reste. Nous sommes des individus, contrairement à la vision de Hegel, je crois que nous sommes des individus profondément individualistes, fondamentalement individualistes, rassemblés non pas par envie formidable, mais par nécessité, en gros, étant menacés de toutes parts, on va faire un petit groupe entre nous, on va mettre des murs, on va mettre un chef qui est plus fort, qui va pouvoir me faire régner l'ordre dans la petite communauté, et on va avoir constitué une société complète en complexifiant un peu le système. Donc je crois que ce système-là, c'est véritablement ce qui nous a séparés du reste des animaux, qui nous en a dissociés. Alors pour conclure, je crois que la méchanceté est le pur produit de la peur de manquer de quelque chose, et comme nous avons fort peu, nous manquons de tout, quasiment de tout, de blé, maintenant de pétrole, d'énergie, enfin on manque de tout, comme on manque de tout, et qu'on a peur de tout. Il suffit d'aller se promener, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont fait l'expérience du brame du cerf, qui consiste à aller se promener dans une forêt la nuit, sans éclairage évidemment. Il n'y a clairement pas plus de danger que le jour, mais c'est nettement plus impressionnant, à l'évidence. Donc nous avons peur de tout, et surtout des peurs irraisonnées, parce que nous symbolisons aussi nos peurs. Et comme nous sommes coupés du règne animal, ben nous ne pouvons pas parler de nos peurs à d'autres, donc nous restons en petit comité avec nos méchancetés et nos peurs, et on voit bien le résultat que nous finissons par obtenir après plusieurs milliers d'années de méchanceté symbolisée et en bouc émissaire. Alors on est passé de la méchanceté ordinaire, on n'a parlé que de la méchanceté ordinaire, de la méchanceté individuelle, de la petite méchanceté, on a abordé quelques exemples qui sont des avatars de méchanceté extraordinaire. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est la méchanceté collective. Ça, c'est un comportement qui est encore plus extraordinaire. Parce que ça implique une perte de conscience, une perte de repères, une perte de sentiment de l'économie
biologique que l'on finit par partager avec des suiveurs qui sont séduits par la belle méchanceté que je mets en œuvre, des partisans, en quelque sorte. Et puis, ces partisans-là, il y en a quelques-uns qui sont encore plus méchants que le méchant d'origine et qui veulent être royalistes à la place du roi. Hitler, par exemple, a subi un nombre d'attentats considérables, je crois 17 ou 18 attentats. Compte tenu de son temps de pouvoir, c'est assez une fréquence assez élevée. Malheureusement, tous ratés. Personne n'est parfait. Et donc, il avait dans son entourage des gens encore plus méchants que lui qui voulaient l'éliminer pour prendre sa place. C'est en soi extraordinaire. C'est-à-dire que, quelque méchant que vous soyez, il y a toujours un gars qui veut faire encore pire. Alors là, je crois que l'outil, c'est un outil purement social, ça s'appelle la pensée unique. La pensée unique, c'est une pensée particulière parce qu'elle est unique. Alors justement, la pensée ne fonctionne que lorsqu'elle s'affronte à une autre pensée. Sinon, c'est pas une pensée. Donc le terme pensée unique, en soi, est déjà extraordinaire. Et surtout, c'est une pensée verticale. C'est-à-dire qu'il y a un fort, rapport de force maximum, qui dit, désormais, la règle, ce sera celle-là. Et donc, on a instauré la pensée unique. Être méchant et désobéir à Staline, c'était s'écarter de la pensée unique. Du temps de Staline. Maintenant, évidemment, avec le recul, on se dit, au contraire, les méchants, c'est ceux qui étaient dans l'axe de la pensée. Et la pensée et la méchanceté sont directement temps et espace dépendantes. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas un autre jour. Il n'empêche que lorsque l'on commence à réduire la possibilité de confrontation entre pensées, à partir de ce moment-là, on entraîne mécaniquement une sorte de raréfaction de la pensée et tout naturellement, on transforme les subalternes en suiveurs, voire en challengers, pour la lutte pour c'est Kareda, c'est Rastapopoulos, le plus grand génie du mal, c'est pas toi, c'est moi. Et donc, la seule manière d'échapper à ça, c'est d'abord de mélanger les pensées, de confronter les pensées, que les pensées se heurtent les unes aux autres, c'est une très bonne chose. Lorsqu'une pensée commence à devenir hégémonique, c'est une catastrophe, enfin, on est sur la voie de la catastrophe. D'autant que la force ne peut être durable que les soutenus par le spirituel. On dit qu'il y a une association de la force à la légitimation par le spirituel. Pour qu'elle soit durable, la force doit s'appuyer sur quelque chose d'intemporel, c'est-à-dire, entre guillemets, une morale. Alors là, c'est la catastrophe annoncée. Mais c'est ce qui explique la collusion permanente à travers l'histoire du politique et du spirituel. Depuis toujours, le spirituel et le politique, que ce soit Clovis ou nos présidents récents qui font le voyage du Vatican, ou de Jérusalem ou de n'importe où, enfin, il y a toujours une collusion entre les deux, parce que l'un s'appuie sur l'autre, objectivement. Puis des exemples, il y en a plein la littérature. Le seul qui puisse faire échapper au système, c'est un plus méchant que le méchant, c'est-à-dire un rebelle. Un rebelle se lève et dit « Moi, j'en ai marre de votre méchanceté, et puis d'ailleurs, je suis plus méchant que vous, et je vais vous éliminer. » Alors, j'ai un peu théorisé sur un truc qui s'appelle le dilemme du prisonnier, et qui permet de démontrer mathématiquement qu'il n'y a pas d'avenir dans un système de pensée unique dictatorial. C'est forcément un système en bout de souffle qui est condamné à mort à court terme. Et le deuxième personnage de cette comédie que nous vivons tous les jours, le deuxième personnage, c'est non pas le rebelle, l'acteur, c'est au contraire celui qui pratique la stratégie de l'exit, c'est-à-dire l'ermite. L'ermite, celui qui s'est dissocié du reste de la société, est le rebelle absolu, parce qu'il s'est mis dans une position où plus personne n'a la moindre prise sur lui.
Et donc, du coup, il a conquis une liberté que personne ne peut lui contester, et il est à l'abri absolu de toute espèce de méchanceté. Je vous remercie de votre attention. Thank you.